passé quoi à leur arrivée? Ils ont tout empoisonné. Bienvenue. Yo les bros, ici Barry, ici on parle de séries, parfois on parle des films mais c'est rare, parfois on parle des animés aussi mais c'est rare. Alors le mois dernier, on a eu la saison 4 de Elite, franchement je m'attendais à rien, j'ai dit vas-y ça va être nul parce que la saison 3, la fin c'était bien pour moi, enfin pour moi c'était la fin, mais après j'ai appris qu'il y avait une saison 4, j'ai dit waouh, mais vas-y la saison 1 elle était bien, donc j'ai dit vas-y je vais regarder comme ça, vous voyez, mais en tout cas j'ai kiffé la saison 4, donc j'espère la saison 5 va être pareil. J'ai plein de théories et merci pour ma vidéo sur Lucifer. En tout cas, vous avez kiffé les théories. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça, dites-moi dans les commentaires. Bref, on va passer aux théories sur la saison 5 des Elite. Vous avez kiffé. J'ai plein de théories. J'ai 6. J'ai pas 5 comme la dernière fois. Cette fois, j'ai 6. Bref, intro. Dès lundi, les collèges, les lycées seront fermés. Dès lundi, seront fermés. Parmi les nouveaux personnages, on retrouve Philippe. Philippe, c'est un prince, mais son histoire est un peu chelou, tu vois. Askip, il a abusé d'une fille dans son pays, c'est pour ça qu'il a quitté son pays. Au début, moi, je croyais que c'était des rumeurs, mais finalement, c'est vrai. Sa mère, il a parlé avec sa mère et tout, mais c'est pas ça qui nous dit que c'est vrai. Mais vers la fin de la saison 4, en gros, il envoie un vocal à la fille pour dire qu'il s'excuse et tout. Donc, peut-être la fille va porter plainte et elle a une preuve, donc c'est sûr qu'il va aller en prison. Mais pour l'instant, on ne sait pas si la fille va porter plainte ou pas. Donc peut-être qu'il va aller en prison. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la saison 1 et dans la saison 2, on avait un personnage d'un élite qui s'appelait Christian. Et il jouait de la Casa de Papel en même temps. Il s'appelait Rio, c'est sûr. Vous connaissez, franchement, il kiffe le personnage dans les deux séries. Dans les deux séries, il est fort. Franchement, comme vous le savez, la saison 5 de la Casa de Papel, c'est la dernière saison. Le tournage est fini, tout est fini. J'espère qu'il va revenir dans Elite. On va le revoir. J'espère qu'il va venir avec... Et putain, j'ai oublié comment il s'appelle l'autre là. Wow, j'ai oublié, mais bref, vous voyez les images. On passe aux prochaines théories directement. Les acteurs qui jouent Guzman et Ander, pour l'instant, ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas confirmé qu'ils ne seront pas là dans la saison 6. Mais c'est sûr qu'ils seront pas là. Comme vous avez vu dans la saison 4, la fin de la saison 4, Ander et Guzman sont partis. Je vois pas pourquoi les showrunners vont les faire partir et revenir. Ça sert à quoi en fait? Pour moi, c'est sûr qu'ils seront pas là. Bref, on passe au prochain théorie. Yeah. Ah, je suis vraiment désolé, mais pour moi, c'est presque sûr qu'ils vont se mettre ensemble. On va dire, je suis à 30%. À 30%, c'est beaucoup quand même. Mais comme vous avez vu dans la saison 4, Omar, il a beaucoup souffert à cause d'Ander. Il y a un moment, il partait plus au lycée. Il y a un moment, je crois, pendant une semaine, il n'est pas parti au lycée à cause d'Ander. Mais il s'est approché de Patrick. Mais après, il a fini avec Ander encore. J'ai dit, wow, c'est quoi cette histoire? Mais comme vous avez vu dans la théorie d'avant, Guzman et Ander, ils ont quitté la série. Et les relations à distance dans Elite, ça marche pas très bien. On a vu avec Guzman et Nadia. Donc, s'il est plus avec Omar, il va se mettre avec qui? Voilà, c'est ça la question. Bref, on passe aux prochaines théories. À la fin de la saison 4, Guzman a tué Hermando. Avec Samuel et Rebecca, ils ont caché Hermando au fond du lac. Mais c'est sûr qu'on va retrouver. On va essayer de savoir qui a tué. Donc, en fait, ça c'est... En fait, c'est Elite, c'est sûr que ça va se passer. Bref. Franchement, au début, quand j'ai attendu qu'il y aurait une saison 4 d'Elite, j'ai dit c'est sûr, ça va être nul. Mais franchement, j'ai vraiment kiffé. Au début, je voulais pas regarder. J'ai dit vas-y, je regarde comme ça. Mais vraiment, les nouveaux personnages, je les kiffe. Mais en tout cas, si vous avez pas encore regardé la saison 4 d'Elite, mais vous avez regardé les saisons d'avant, comme moi, en fait, au début, moi, je voulais pas regarder. Mais j'ai regardé, j'ai quand même kiffé. Allez regarder, vous allez kiffer. Il y a beaucoup de personnages qui sont partis, mais il y a beaucoup de personnages qui sont venus. Donc, allez regarder la saison 4, vous allez kiffer. Bref, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous voulez que je fasse plus de théories comme ça. Bref, c'est la fin de la vidéo. On dit peace.